6 soldats maliens ont été tués aujourd'hui dans une attaque contre leur camp dans la région de Tombouctou au Mali, en dépit de la présence des forces militaires nationales et étrangères. Cette attaque est la deuxième plus meurtrière en un mois, après celle ayant visé le 2 juillet un contingent burkinabé de la mission de l'ONU. En Centrafrique, un casque bleu camerounais a trouvé la mort, 8 autres ont été blessés. La MINUSCA et la police locale ont mené une opération visant à arrêter un responsable de l'ex-Séléka dans le quartier PK5 à Bangui. C'est alors que des hommes armés de grenades et d'armes automatiques se sont interposés. Au Burundi, l'assassinat du bras droit du président Nkurunziza, le patron de la sécurité intérieure, le général Adolphe Nshimirimana, a été tué hier à Bujumbura dans une attaque à la roquette. Sa mort relance les craintes d'une escalade des violences. La police a fait état de 7 arrestations. Le secrétaire d'État américain John Kerry relance au Caire le partenariat stratégique avec l'Égypte, une coopération en matière de sécurité et de lutte antiterroriste contre les groupes djihadistes. Le chef de la diplomatie américaine est aujourd'hui à Doha pour tenter d'apaiser les craintes suscitées par l'accord scellé avec Téhéran.